Un témoignage poignant, celui d'une jeune femme agressée sexuellement dans le métro lillois. Les gens me regardaient me faire agresser, a-t-elle déclaré chez nos confrères d'RTL. Mardi soir, pendant environ une demi-heure, la victime, âgée de 30 ans, a vécu un véritable calvaire dans le métro, puis en dehors. Plusieurs autres usagers étaient présents. Personne n'est intervenu. Écoutez Maître Michel Locamba, l'avocat de la victime. Elle n'a pas compris comment la population qui était là, les gens qui passaient, regardaient la scène comme si de rien n'était et que personne n'intervenait pour venir au secours, les secours qu'elle demandait. Et même quand elle est descendue sur la voie publique, elle a demandé à plusieurs voitures de s'arrêter pour pouvoir lui venir en aide. Mais heureusement qu'il y a quand même des gens de bon sens jusqu'à présent. Un jeune homme de 20 ans s'est arrêté. Elle ne comprend pas le fait qu'elle est agressée au vu et au su de tout le monde dans un endroit public où il y a de la vidéosurveillance qui est en train de filmer, mais personne n'intervient pour la venir en aide. Et l'agresseur âgé de 19 ans a lui été condamné à 18 mois de prison ferme avec mandat de dépôt.